Salut tout le monde. Aujourd'hui, on teste encore la crème fouettée, mais cette fois-là, on se fait croire que c'est moins grave parce qu'ils ont moins de gras et ils sont légers. Ça se voit. Un peu plus. Un peu plus. Non, mais... non, on fait pas ça. Je suis allé. Ah, ça goûte pas si bon, hein? Faut un truc. Oh! Oh! Ah, oh, plus tu y goûtes, moi, c'est plaisant. C'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que ça goûte? Ok, c'est quelle marque ça? C'est Réal. Ok, on l'avait en dernier. Gélia, Chobite a perdu sur toute la ligne à date. Avec ou sans gras. Bon, Cool Whip. Ça me fait mal dans le cou. Non, parce que j'ai mangé ma crème fouettée avec agressivité. J'étais dedans. Ah bon? Ben, celle-là est quand même meilleure que l'autre. Ben, goûte à rien. Ben, c'est ça, il a enlevé le fun. Il devrait mettre 25% moins de fun, si on comprenait pas la vie. Elle, c'est quoi, c'est pour vrai, t'achètes un gros pot de crème fouettée, puis tu veux qu'il y ait moins de gras dedans, mange en moins. 25% moins de gras, que notre garniture fouettée, Cool Whip ordinaire au sol. J'en peux plus. T'as pas de bon sens. Ben, c'est... Je comprends pourquoi. Pas. Ouais! Pourquoi les gens veulent se mentir à eux? C'est déjà hyper léger. Ben oui, ça pèse rien, gars. Ça pèse rien, ça. Ça s'amène, tu peux en mettre 4-5 plats dans un sac. C'est super léger. Comprends pas. Oh, j'ai une puff de congélateur. Ok, sans nom, Cool Whip. Compliment. Fait que c'est ça, elles sont toutes pas très bonnes. Ben, ben non, sont toutes légères. Déjà, déjà, mettons, il y a de la glace qui s'est formée sur la sans-nom dans le pot. Il y a du petit frima. Moi, ça me dit ben, pas hermétique, humidité. Donc déjà, Best Before MA 2019, janvier 17. Je comprends rien. Quel tu veux goûter en premier, Minou? Go pour ton congélo. Comment c'est impossible de donner des petits noms? Bon, ça, c'est le sans-nom qui était votre préféré dans les cannes. Mais il y a un petit arrière-goût, mais... Ben, et sensiblement pareil. Mais il y a un petit arrière-goût, mais le sucre de moins, il y a combien de sucre? Je sais pas. 3 grammes aussi. 3 grammes, ouais. Il est à 3 grammes, l'autre aussi. C'est du gras qu'il y a de moins. Ah, c'est le gras qu'il y a de moins. Ouais, ouais. 2,5 grammes. Je sais pas c'est quoi les autres. Pour vrai, là. Moi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, la Cool Whip. Bon, ben, elle est collante, celle-là. Bon, fais plus de cheers. Ça a changé entre nous deux, Marc-André. Tu m'as pas donné le petit, non? Arrêtez d'enlever le gras, ça enlève de quoi? Brosser frappe en faire ma fleur. Un brain freeze avec de la crème fouettée. La gueule, je viens de m'ajouter. Fais ça. Non. On est astu qu'on finisse ça, parce que moi, là, mon taux de sucre est en train de grimper à la bourse. Nos compliments! Ben. Il y a moins de quoi dans celle-là? Ben, moins de gras. OK. OK, c'est vraiment toute la même chose. J'avais pas fait mes recherches. Si vous avez un choix, le goût est vraiment bon. Ouais. Puis il est quand même onctueux. Oui. Regarde. Onctueux, ça. Ça, c'est de l'onctuosité, ça. T'auras pas ça partout, ça. Là. Fait que s'il y a quelque chose à acheter, c'est la compliment. Sinon, le reste, arrêtez de faire des aquares. C'est ça quand même. Ouais, si vous avez besoin de manger moins de gras, coupez dans les quantités, pas dans la recette. T'sais, gâtez-vous, au moins que ça goûte bon ce que vous mangez, mais mangez-en un petit peu moins. Ouais, mais c'est pour mettre sur un gâteau, justement, le dit gâteau, faites-le plus léger. Là. Mettez moins de sucre ou t'sais, coupez dans la recette ou faites de quoi. Ouais, c'est ça. Un gâteau des anges, je peux pas croire que vous êtes pas capable d'enlever du sucre là-dedans. Là. Ouais, peut pas clair. Donc, la crème fouettée sans gras, c'est. Pas bon! Mais on pourrait dire que la compliment... Sérieusement, la compliment ressort du lot comparativement aux autres. Qu'ils ont soit un arrière-goût, justement, il manque un petit quelque chose, là. Ouais, quand même. Ben ouais, c'est ça. Oui, effectivement, il n'y a pas de mauvais arrière-goût, de vieille crème, de terroir, disais-je en digérant. Vous autres, vous en pensez quoi? Parce que moi, j'en peux plus. De toute la semaine, ouais. Ça a été laquelle, votre favorite? Qu'est-ce que vous mettez en à côté dans avec vos gâteaux? Oui. Peut-être pas de la crème fouettée, ils mettent peut-être d'autres choses. Vous en servez pourquoi de la crème fouettée? T'sais, bon, on va pas tout savoir, là. Gardez-vous une jeune, quand... Gardez-vous une jeune! Pas besoin de photos à l'appui. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Et nous autres, ben... On teste! J'allais dire, on engraisse.